Eh bien salut tout le monde, c'est SixalGame pour l'épisode 7 de Let's Build a City, le plus tant attendu. Et je suis toujours accompagné de mon ami Battlehalo, salut à toi. Ouais, salut. Avec un nouveau skin. Oui. J'ai fait moi-même cette fois-ci. Ouais. Je l'ai fait en entier. C'est vrai que ça change un coup, de te voir comme ça, sous le coucher du soleil en plus. Donc avant de commencer, avant de faire voir tout, on a fait du très très gros changement, rien que cette maison déjà. Qui est du côté de chez Manu. Et là on voit des immeubles et on regarde pas parce que j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Donc déjà bon, avant... Hein ? Il est pas fini la maison, il y a encore les arbres et tout. Ouais je vois ça. Et donc de quoi je vais parler, donc tout simplement comme maintenant c'est les vacances, je vais faire beaucoup plus de vidéos et donc beaucoup plus d'épisodes de Let's Build a City. Vous regardez pas là-bas au bon ou là-bas au bout. Et donc oui, j'ai décidé de faire deux épisodes de Let's Build a City parce que j'ai eu mon CAP, je suis en vacances, j'ai totalement le temps maintenant, voilà. Dire là, il y a rien qui peut me gêner à part les vacances, bon ça, je vous préviendrai, mais normalement c'est début août. Qu'est-ce que d'autre que j'allais dire? Oui, on a fait du très très gros changement derrière moi. Bon allez, on va pas faire le suspense, voilà. Donc là-bas on voit un peu d'immeubles, mais c'est surtout beaucoup là-bas au bout que ça a changé. Si vous reconnaissez cet endroit, c'est que nous on est de cette montagne-là. Mais ça doit vous faire bizarre parce que c'est vrai qu'on n'a jamais traîné par là et donc vous allez voir les gros changements après. Ensuite, je sais même plus ce que j'allais dire. On va plus ça. Oh voilà. Bah au pire on va faire voir un peu les changements. Ça c'est bon. Donc la maison de Manu. Elle est ici, donc c'est... Vous voyez où qu'il y a le petit chalet en bois là-bas, bah c'est ici en fait. C'est... On traîne jamais de ce côté-là en fait. Hein. Puis oui, il n'y a plus du tout d'arbres. C'est vrai que ça, j'ai pas précisé. Il n'y a plus du tout d'arbres. Tu peux parler, tu sais. Hein. Ouais, je sais maintenant. Donc on a viré les arbres pour mettre en place les immeubles. Et oui, oui, c'est ça, il faut j'oublie surtout pas, vous êtes déjà, vous êtes beaucoup à me demander, faites des épisodes plus longs, bah rien que celui-là, il va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude, et je parlais aussi que cette map, quand elle va se finir, donc si on finit avant la fin du mois, la série, ça se termine à la fin du mois, ce serait bien, mais bon, jusqu'en août, déjà... En août, j'ai déjà beaucoup de projets de vidéos, et ce mois-ci aussi. Bien sûr, vous avez remarqué, oui, mais trois épisodes de Let's Build a City de suite, c'est chiant, tout ça, c'est ton but, c'est multi-gaming, oui, je le sais, multi-gaming, par exemple, après cette vidéo, je préparerai une vidéo sur SimCity, puis j'ai aussi plein d'autres jeux en tête, tout simplement. Donc ça fait que je peux faire 3 vidéos par semaine, voilà. Donc 2 épisodes de Build a City et une vidéo sur un jeu, voilà, que par exemple j'ai jamais joué, comme SimCity, et voilà, comme par hasard. Au mauvais moment, son micro il bug. Et merde, j'ai oublié de dire, je sais même plus ce que je dois dire. Et SimCity est par exemple un jeu que j'ai également testé, merde je m'en souviens plus le nom, c'est Spain Tire, donc Spin Tire si je le dis bien à l'anglaise, c'est un jeu que je vous présenterai bientôt, prochainement, enfin peut-être cette semaine, enfin je sais pas trop, c'est des trucs que j'ai envie de le dire. Oui voilà, donc Manu a un problème de micro, donc je sais pas si je vais faire une petite ellipse, enfin ça me dérange parce que chaque fois qu'on fait une vidéo, généralement il nous arrive plein de merde, et quand on fait pas de vidéo, il y a jamais rien qui se passe, donc ça me pète les couilles, donc je vais quand même... Oh. Au pire, on va faire une ellipse, on va faire une petite ellipse, et on se re... Non. Ouais, mais il faut que ton micro il se remette, hein. Soit tu le remets, parce que là ça va faire vraiment con là. Donc voilà les gros changements, donc alors le système de minecart... il a très bien marché. Oui, Manu a aussi changé de pseudo, c'est I Love Horizon 2, donc il l'attend très prochainement. Et donc ici, bon, j'avais dit, ouais, je vais faire un parking, tout ça. C'est vrai que là, un parking de minecart, ça le fait, en fait. Donc on a décidé de mettre des rails de minecart, et... Ah ouais, ok. J'ai eu peur, je vois un autre pseudo. Oula, qui est dans le serveur? C'était pas prévu. Donc ici, le système de minecart, ici, le truc Rasta, comme on avait fait dans l'épisode 6. Ici une route à double voie, c'est moi qui l'ai fait, bon elle est pas du tout finie hein. Ici bon j'ai mis des bâtiments comme ça presque à l'hasard. C'est vrai qu'on a mis la nuit, on va mettre le jour. Time set 0.
Oh putain, on voit carrément mieux. Donc voilà. Ici une petite ruelle. Bon, là c'est peut-être un truc piéton, je sais pas encore. Oui, je tiens aussi à préciser cette map, d'après Minecraft.fr, ceci n'est pas des conneries. Enfin, elle pourrait être dans Minecraft.fr, mais je préfère fermer ma gueule vu que ça arrive en vrai. Pourrait devenir une map Hunter Z. Donc, ça m'a un peu choqué, mais ça peut devenir une map une Hunter Z. Putain, j'ai réussi à parler. Et puis voilà. Bah, de toute façon, après la présentation, ce qu'on a fait, on va faire une petite ellipse pour que Manu il reprend son micro, parce que sinon ça va faire totalement con. Donc ici, un petit deux bâtiments, un plus haut, un plus petit. Bon, je me suis pas cherché dans les détails, j'ai fait comme une ville normale, voilà. Y compris ici j'ai changé de style, par exemple j'ai mis des briques, tout ça. Bien sûr, je ne fais que les structures des villes, des bâtiments, et non l'intérieur, c'est vrai que vous l'aurez dû remarquer. Ah, je crois que je t'entends. Tu m'entends? Ouais. Oui, enfin, putain. Ouh. Et donc ici, bon, ici je voulais faire un genre de banque pour retirer son argent, mais ça fait un peu bizarre ici, un petit bâtiment. En fait, j'ai pas trop d'idées maintenant. On devait faire une méga tour, on sait même pas si on doit la faire. Y a pas assez de place. Ou alors on a peur de pas avoir assez de place comme dans SimCity, voilà. Justement, SimCity, je vais peut-être aller avec Battle dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sera sûre et certain, sera sur SimCity, hein, surtout qu'on a fait des délires au-dessus et tout. Puis enfin, la maison à Manu, je crois que j'ai bientôt tout dit. C'est vrai que j'ai tout présenté, les bâtiments. J'ai rien à dire, les gros changements. Enfin, les gros changements, bon, ça va, on a fait quand même des gros changements. Hein. On a quand même fait au moins une... allez, 5, 6, 7 bâtiments. Du côté de chez Manu, lui, il a fait sa grande maison, c'est tout. Mais j'ai quand même bien bossé. Mais je remercie également Manu pour le système de minecart qui a l'air de très bien marcher. Par exemple, ici, les voitures qui sont garées, bah non, c'est des minecarts qui sont garés. Vous voyez, c'est tout, c'est vraiment stylé, moi, je trouve. C'est simple. Voilà, par exemple, ici, au lieu de voir des voitures garées, bah c'est tout simplement des minecarts garés. Voilà, totalement fun. Voilà, ici, par exemple, je peux prendre un minecart. Ah bah. Voilà. On va pas trop s'amuser dans les détails. Voilà. Oh merde, ça marche même pas. Ok, c'est pas trop grave. Donc, je crois qu'on a présenté en gros tout ce qui. Voilà, bon. Bien sûr, donc les épisodes plus longs, je l'ai dit, parce que là c'est ça qui est dans les commentaires. Là, l'épisode va durer 20-25 minutes. Je sais même pas quand on a commencé, donc ça se peut qu'un peu durer 30 minutes, ça me dérange pas du tout. Alors, par contre, j'ai un truc que je voulais faire aussi dans cette vidéo, présenter un peu les dégâts, ce que a fait Manu. C'est magnifique ce que t'as fait, hein. Alors, de la lave partout, je Pas sais doué même. en TNT, t'étais pas doué en TNT, donc je suis Ouais, c'est désolé. vrai. J'étais un peu dans le coup. On voulait virer les armes, mais on a un peu fait tout péter. Mais bon, Non, c'est pas tu as grave. fait péter. Ouais. Moi, c'est le truc que j'ai fait péter, je les ai réparés. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, donc il n'y a plus du tout d'armes. C'est vrai que ça. Oui, faut pas que j'oublie. On a viré le pont là-bas parce qu'on s'est dit qu'il allait servir à rien, tout simplement. Enfin, ça, c'est plus Manu qu'il faut demander, hein. De quoi? Bah, pourquoi as-tu viré le pont là-bas, qui est le gros pont qu'on a présenté dans l'épisode 5? Parce qu'il faisait moche et je pensais plutôt que ce serait une nuit piétonne que. Ouais, voilà. Voilà. C'est un bug. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Parce que j'avais des choses à dire, je dis ouais, je vais les noter tout sur une feuille, mais finalement en fait je l'ai pas fait, donc j'espère que j'ai tout dit. Donc voilà. Attends, t'es en dessous de la map là? Attends, tu me fais penser à un truc. Pourquoi on ferait pas un système à métro? Un métro souterrain, comme à Paris, tu vois. Ouais, non, c'est une trop petite île. On verra bien de toute façon. Donc là on va quand même continuer à builder en vidéo, hein, parce que là j'ai une bonne connexion internet, j'ai le temps, voilà, je travaille, je suis en congé, voilà. Enfin Manu aussi, et puis ça fait qu'on a beaucoup de temps devant nous là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire, hein? Bah c'est tout je crois. On va commencer à builder. Ouais, j'ai présenté. Bon là-bas, ce côté là-bas, il a pas du tout changé, hein. Par contre, les arbres qui étaient sur la montagne, je sais pas s'ils étaient ça avant. Faudrait regarder dans les autres épisodes. Hein, c'est. Si, si, ils ont toujours été là-bas. Bon, alors c'est bon alors. C'est Pourquoi? vrai que
quand il pense, en 3-4 jours, on a quand même bien bossé. En 3-4 jours, sachant que cette vidéo, le sixième épisode, on l'a fait beaucoup plus tôt, donc ça fait qu'on a eu peut-être environ moins d'une semaine pour faire tout ça. Mais c'est vrai qu'on pouvait faire plus. À un moment, je dis, ouais, je vais trop en faire, mais finalement, hein, voilà. Hein. Bah, j'ai envie de continuer la route. Ici, je sais pas du tout quoi faire. J'ai pas envie de faire un même bâtiment que là, j'ai envie de changer de style. Par exemple, ici, j'ai mis un truc carrément quand il n'y a pas de porte et tout. Et ici, je crois savoir quoi faire. Cette nuit, j'y ai pensé. Pourquoi pas faire une station-service? Ça se trouve pas forcément en centre-ville. Hop. Et en regardant quelques épisodes de Hunter Z, de quelques personnes que je connais également, tout simplement, I love you, Forza 2. Horizon 2. Horizon, Horizon, oui, faut pas oublier. Ah, putain. Hop. Pourquoi tu te mets dans mon passage? Sais pas. What? Allez, vas-y, dégage. Et sa tête, elle me fait carrément. Putain, ça fait bizarre de te voir ce skin là en fait. Voilà. Donc. Le vieux bâtard. Un, deux, trois. Un, deux. Alors ça, c'est tous des calculs. Alors les stations-service, ça va, je galère pas trop à les faire. Du coup, je sais pas pour aller plus vite si je dois faire du MC Edit, mais c'est. Franchement, là, j'ai envie de faire une petite. Voilà. Non, t'inquiète, c'est parce que à chaque fois je te le dis, à chaque fois tu trouves, ouais, ça... mais. C'est normal, c'est que le début, c'est normal que c'est moche. Et puis, putain, parle aussi, là! Arrête pas de taper. Voilà. Je tape mon clavier. Ouais, tu tapes ton clavier. Donc, qu'est-ce que je vais préparer pour faire une station-service? Donc, on va prendre. Attendez, je regarde si ça record bien. Alors, on va faire une petite ellipse. Quoi, je t'ai eu, Steve. Donc, oui, ça record. Oh, c'est justement que je l'avais faire. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème avec Fraps. C'est que je dis, c'est bizarre, comment ça se fait que je l'ai plus dans les menus? Parce que généralement, quand je suis dans les blocs de construction, je l'ai comme un port. C'est Fraps. On dirait qu'il est pas lancé. Donc maintenant, je sais même pas pourquoi ça met ça. Non, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Ah oh oui, la pluie, je t'aime. Non, non, non. C'est vrai que cet épisode, il sera un peu bizarre. Moins bizarre que l'ancien, déjà. Y a pas un problème là? Ouais. Oui, c'est son service. Ah, c'est mignon, ça. Le swag. Donc voilà. Une station service, bon pourquoi pas, parce que j'ai pas d'idée d'autres idées en fait. On va essayer de faire ça. Oui, j'ai oublié de dire un truc aussi. Vous êtes beaucoup à me demander. Alors ça c'est une question qu'on me pose à chaque fois, j'ai beau le répéter dans chaque épisode. Est-ce que la map sont téléchargement? Aussi, et aussi. Quand qu'on pourrait venir dans le serveur? Donc je l'ai dit au moins 1999 000 fois que ce C'est peut être clair. fin août ou comme mi-juillet, mi-août, dès qu'on a fini le serveur, on peut faire un rassemblement. Par Oui. contre, on peut augmenter, on peut mettre combien de personnes maximum dans le serveur? Attends que tu veux. Perso, vu que le serveur il a pas une très bonne connexion, enfin ça c'est un En sous-compte. fait, je vais pas laisser le serveur ouvert tout le temps, en fait, c'est surtout Voilà ça. aussi. Et comme c'est un serveur blédard, on peut dire, ça fait que. J'ai peur que si on met trop de monde, ça va. Mais bon, on peut quand même ajouter au maximum 40 personnes. Non. 40, enfin. Je sais pas, et ça dépend d'eux. Ils sont tellement à fond sur la série, donc ça me fait plaisir. Allez, même pas 10. Même pas 10, ouais. On verra bien, de toute façon, vous verrez dans les Verra, commentaires c'est même si vous venez.
Il y en a déjà plus d'une dizaine qui veulent venir, rien que sur Facebook aussi, tout simplement sur mon groupe communautaire aussi, vous êtes beaucoup à me dire ça. Et puis voilà, j'espère que ça me fait plaisir aussi que la série vous plaît, tout simplement parce qu'on est déjà au 7e épisode, et quand vous pourrez regarder quand même, rien que la preview, voire l'épisode 1, on a quand même beaucoup avancé, hein. C'est incroyable de dire ça, mais voilà. Et puis de toute façon, si je suis en vacances, vous pourrez tout de même regarder les anciens épisodes de Lost Buddha City ou mes autres vidéos à moi-même. Voilà. C'est un truc que je voulais aussi préciser. Mais bon, on est sur Minecraft, c'est pas trop le sujet. Donc ici, on va faire 4 de large. Pour que ça puisse passer. Ici, j'ai envie de faire un magasin. Tu vois, un petit magasin où ils vendent du liquide de refroidissement, tout ça, comme à la réalité. Ou des sneakers aussi. Des sneakers, oui, des du Red sneakers. Bull Red Bull. Red du Bull donne Coca des ailes. du Sprite et du Fanta Fanta, Coca-Cola. Ah, j'ai dit une marque, ça y est, copyright, copyright. oh, je me l'ai dit plus que toi hein, j'ai dit Red Bull et tout Bah, c'est fou. j'avoue. Bah, tu dis ça. Mais dans l'épisode 5, à la fin de la vidéo, vous aurez entendu des bruits bizarres. Genre des bruits bizarres, comme s'il n'y avait pas de musique, mais que notre voix elle était bizarre. J'ai dû supprimer la vidéo, la musique par YouTube, parce que j'avais des droits d'auteur sur une musique t'entendais à peine. C'est incroyable ça, hein. Mais bon, là par exemple dans cet épisode, il n'y a pas de musique, c'est vrai. J'aurais pu mettre de la musique. Mais dans les autres épisodes, je pourrais mettre de la musique également. Ça, après, on verra ça, mais bon. Walou, c'est un truc que je voulais préciser également. Voilà. Voilà. Pas mieux le copyright. Copyright, c'est mal. C'est vraiment chouette ce que tu fais là. C'est chouette. Oh, ici, bon, on verra ça pour les rails. Le bâtiment, tu t'en occupes ou pas? Moi, je sais pas vraiment quoi faire là. Je vais m'amuser à mettre des poubelles. C'est vrai, mais dans une ville, il y a des poubelles. J'en ai mis un peu partout dans la ville, mais de ce côté-là, j'en ai pas mis. Donc, c'est dans potions. Enfin, des poubelles. Pour moi, c'est des chaudrons. Hein. Voilà. On met ça. C'est magnifique! Excusez-moi. On peut le censurer, ça. Voilà. Allez, il faudrait qu'on fasse un truc avec les prix là. Il faudrait que tu mettes un système avec des panneaux, tu vois, ici. Ici, quelque part. Et système avec les prix, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, moi. Bon, je le fais par exemple en vert. Hop, Ah hop, oui, ça. hop. Tu vas jusqu'en haut, tu mets des panneaux sans plomb 98, tout ça, à tel prix. En dessous, tu mets le prix en centimes par litre, bien sûr. Parce que toi et les maths, t'aimes ça. Ouais, ça va, c'est pas trop chiant. Pourquoi ma poubelle a été virée ici? Toi, on peut jeter ses déchets. On peut pas non plus pisser dedans, mais bon. Ouais, tu peux faire un truc stylé, mais voir plus haut, toi. Parce que moi, j'habite pas loin d'un quartier BP, voilà, et on peut dire que ça me Moi, concerne. j'habite très loin Très très loin. de la ville. Bon, je connais pas de. Il n'y a pas de truc comme ça. Bon, c'est vrai que t'habites à combien de kilomètres de chez moi? 10 km, allez. À quoi? Mais attention, on va peut-être. Ah oui, on s'est dit aussi avec Manu. Pourquoi on ferait pas un live en fait ce commentary, nous deux? Et ça, on me l'a dit aussi. Putain, mais c'est qui? Il vire ma poubelle! Donc on s'est dit voilà, et puis. C'est un truc que je pourrais faire peut-être à la fin de la semaine. Bon, ça n'est rien n'est sûr, hein. Déjà, il faut qu'on se contacte, tout ça, il faut qu'on a le temps, tout ça. Mais bon, vu comment les vidéos cartonnent en ce moment, je pense que je peux faire ça. Surtout quand je vais faire ma. Ah oui, je pense pas que les gens sont au courant de ma pause YouTube que je vais faire pendant peut-être un mois et demi, voire 2 mois tout simplement, parce que pour un peu changer les idées, voilà. Bon, ça dépend. Si on termine les Buda City, la pause va durer plus longtemps. Mais bah voilà, comment expliquer? Voilà, j'ai besoin d'une petite pause pour changer un coup les idées. Et puis justement, ça va. Apparemment, ma série va être partagée Let's Buda City quand je vais faire ma pause. Donc ça se peut, je peux me retrouver avec plein de vues en venant et plus de communautés. Donc ça m'intéresse également. Et puis voilà, je peux également faire ça. Mais si, je peux peut-être faire un truc. Bon, ça après, c'est Manu qui s'en décide.
Qui s'en décide. Qui s'en décide? Putain, le français ici. C'est vrai que t'es doué en français, toi. Carrément. Et oui, j'en ai parlé aussi dans mon groupe communautaire, donc c'est ça, voilà, le dernier truc que je vous tiens à prédire, parce que oui, j'ai beaucoup de trucs à vous dire, ça va faire un peu beaucoup. Oui, je vais faire un setup gaming, alors je sais pas quand, parce que si vous voulez, je dois recevoir un nouvel écran, un clavier, hop, voilà, un clavier, une souris gamer, un écran, peut-être un nouveau casque, voilà, sachant que celui-là, bon, il commence un peu à vieillir, mais il est toujours bien, il est branché sur une carte son, donc c'est vrai qu'on voit pas trop la différence par rapport aux autres youtubeurs, mais voilà. Putain, mais vous m'énervez avec votre poubelle, là. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu l'enlèves? Et de quoi je l'enlève? Je fais rien moi. Il y avait une poubelle ici. À chaque fois, elle s'enlève. Ça a du lag, je sais pas. Voilà. Toi, t'intéresses ici. Je peux rester une heure s'il le faut devant ça. Moi. Ah, ça fait du bien de voir la ville au jour. Puis voilà. Alors, je crois que je vous te dis, hein, c'est plus pour le serveur. Hein, voilà. C'est plus pour expliquer le serveur parce que c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé dans les épisodes. Mais voilà, on pourra être 10 maximum, voilà, bon ça dépend de nous, hein. Vous verrez bien, vous avez qu'à tout simplement commenter cette vidéo en train de dire ouais je veux y aller, je veux y aller, et on verra par nous-mêmes, voilà. Sujet clos, voilà. Et donc voilà, le setup gaming j'en ai parlé, et la poubelle arrête pas de disparaître, donc je vais rester ici pendant une heure. Voilà, on va attendre, on va la regarder. Et tu sais bien que moi je suis du genre à faire ça. Et puis voilà. En attendant que la poubelle disparaisse, oula, je garde des yeux la poubelle. Tu me quittes pas des yeux. Tu me quittes pas des yeux. T'es là, hein? Ouais, t'es Carlo, hein. Ah, je suis là. Non, mais je parle à la poubelle là. Juste ça. C'est un petit truc, un petit glitch. Ouais, c'est pas grave. Alors, poubelle, hein, t'as pas t'as bougé, hein! C'est comme par hasard quand je regarde, non? Je suis sûr que c'est toi! Non, c'est pas moi. Attends, je te jure, elle disparaît encore! Ah ouais, elle disparaît tout seul ici! Hein, le truc? Alors, est-ce que c'est possible que ce soit sur de l'herbe? On verra bien. Oh là 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 là! Gros fail, gros fail, gros fail! Gros fail! Gros fail! Putain, mais tu vas te mettre là. Oh, et puis merde, on fout pas la poubelle là! Manu? Attends, attends, deux secondes. Ouais, il y a eu un gros fail. De quoi? Il y a eu un gros fail là. Sérieux? J'ai entendu une porte grincer. Non, je suis désolé. J'ai failli dire ta gueule à ta mère. Non, non, quand même pas. Non, je suis pas cruel, moi. On est gentil. Donc la poubelle, la merde, les gens ils y on va faire comme dans Sixième Ty, ils jettent dans l'eau, rien à foutre. Sixième Ty, oui. Sixième Ty. Sixième Ty. Donc voilà. Attends, au pire c'est quoi? Je vais essayer de placer le chaudron moi. Ouais, mais c'est bizarre, moi ça disparaît. J'ai regardé, ça disparaît vraiment. Hein. Tu pourras regarder dans la vidéo. Viens voir, viens voir. Viens voir. Je viens voir mon Manu. J'y pose la poubelle. What? Ah ouais, t'as vu, ça fait ça. Et j'ai mis de la pierre en dessous parce que je croyais que c'était l'herbe qui faisait ça. Attends, est-ce que les autres poubelles ils y sont? Eh hey, mais attends! Quoi? Ah non, il n'y a qu'une poubelle. Je n'avais mis beaucoup plus ici, hein. Elles sont où? Bah, il n'y en a qu'une. Ah, il y a beaucoup plus de poubelles, il y en a une! Non, à la base, ici, il y en avait trois. Il n'y en a plus qu'une. Ici, il y en avait une, elle a disparu. Et c'est pareil, les minecarts qu'on avait garés. Ah bah non, on les a utilisés, c'est vrai. C'est pété. Au pire, essaie de la remettre. La poubelle! Ouais. Non, c'est pas la peine, ça va me péter les couilles si ça rend. Ah mais essaye, essaye, essaye. Je sais pas si ça a marché ou non, mais... Attends, si je mets sneak. Hop. Ouais, ça disparaît, mais on laisse tomber. Je sais pas ce que c'est, ça... c'est un bug ça. Et si je la mets comme ça en l'air? Ouais, ça fait dégueulasse au pire. Ça fait Ah, c'est vraiment con, mais bon. Ah non, mais tu veux, je fasse... Mais non, mais t'exagères là. Tu vas faire quoi? Je sais pas. Faudrait qu'on ait commencé à écrire les prix. Ah. Là.
Avec des panneaux. Alors par contre, avec moi, le prix de l'essence, il va être très cher, hein. C'est comme dans SimCity, on va un peu exagérer les choses. RAF. Ton truc, il a disparu ou quoi? Encore? Ah ouais? Oui, il y a un problème, laisse tomber. Il y a un problème avec ces blocs-là. Donc, sans plomb. C'est quoi ça là que t'as droppé? Tiens, cadeau. Attends, sans... Attends, comment on est qui sans plomb? Putain. Ah non, c'est avec un P. Oh, puis merde, on corrige. Sans plomb, 95. Ça vaut combien de cadeau. litres? Hein? Ça vaut combien de litres? Je sais pas moi. Allez. Généralement, c'est. Allez. Vu que c'est la crise, on va mettre 39. Ah! 0,39 centimes par litre. Diesel. Bordel! 9 000 euros le litre! Non, 10 000 euros. Pire. 100 plomb. Je sais même pas comment on écrit sans plomb. Attends, tu vas rien, je sais même pas qu'on écrit comment sans plomb. C'est un B. Ah bah ouais, alors sans plomb 98, donc ça vaut généralement ça vaut plus cher que le 95 chez nous. Excuse-moi. Gros port de la vie. Voilà. Donc on va mettre. En vidéo, il se lâche comme ça. Quoi. Ouais, carrément. 0,4 43 centimes. Hop. Ah, fais pas chier, PC. Voilà, 5 000 euros, c'est que c'est vous avez. Bon, je propose qu'on va peut-être faire une petite ellipse, je sais pas. J'ai envie de construire le magasin à côté, tu vois. Et j'ai. On m'appelle. Et j'ai toujours peur. Ah, on t'appelle. C'est chiant. Donc moi de mon côté, je vais regarder tout simplement si ça recorde bien, parce qu'on dirait que j'ai des problèmes avec Fraps en ce moment, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, vous inquiétez pas, l'épisode restera, voilà, ça sent si noir, oh et puis merde. Tout simplement, on va faire une petite ellipse, en plus Manu doit revenir parce qu'il a passé un appel urgent apparemment, et tout simplement, on vous dit à tout de suite. Donc, re les amis. Donc on a eu un petit problème technique. En fait, là, il n'y a plus Manu. Vous voulez, Manu a reçu un appel urgent et doit y aller au plus vite, tout simplement. Donc ça, c'est à chaque fois, il y a forcément des imprévus au mauvais moment. Quand on est pas en vidéo, non, on n'a jamais d'imprévus. Mais là, quand on est en vidéo, il y a toujours des imprévus. Donc voilà. Donc on va pas se quitter là, bien sûr. On va continuer un peu en solo. Donc on va commencer à faire notre petite... Oh là, oups. On va commencer à faire nos petits magasins. Le petit magasin, comme il disait Manu, les sneakers et compagnie. C'est un truc que je voulais faire également, donc pourquoi pas s'arrêter une fois qu'on aura fini, ou voir faire une petite ellipse. Donc voilà, il faut que je fasse bien là. Façon, en off, on pourra corriger les défauts qu'on a fait, Manu sera disponible. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Hop, donc voilà. Du coup, je parle plus parce que d'habitude je parle des trucs avec Manu, mais c'est chiant, des imprévus comme ça, on en a à chaque fois. Mais ça arrive, hein. Il fallait que ça arrive forcément dans un épisode. Limite, c'est un épisode fail. Voilà, je vais limite envie de l'appeler comme ça, épisode fail. Genre gros changement et fail. Voilà. Hop. Ici on fait oh, ça. Oh, c'est parfait, la taille est parfaite. Des glaces, on va prendre ça. Enfin, la glace, oui. C'est vrai que les carreaux, je les fais toujours à la glace. Mais voilà, quand j'y pense, on en a parlé avec Manu, vous aurez beaucoup de Minecraft quand même cet été. Parce qu'on a beaucoup demandé. Et puis voilà. C'est vrai, j'en ai pas parlé aussi également. C'est quand je reprendrai les vidéos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers octobre. En fait, j'ai pas vraiment dit de date, mais j'avais dit genre 2 mois, voire 1 mois et demi.
Tout simplement, je reviendrai quand The Crew il sera peut-être sorti, ou voir peut-être un live sur Forza Horizon s'il sort avant, je m'en souviens plus les dates. Je pourrais faire un petit live sur Forza Horizon, ça me dérange pas du tout. Puis voilà, c'était un truc que je voulais préciser, surtout, vous allez. En plus, vous avez l'air de bien aimer tout simplement le multigaming avec moi. Donc voilà, vous inquiétez pas, après cet épisode, on fera du SimCity. On fera l'épisode 8 à la fin de la semaine également, et puis on pourra tout simplement faire aussi du Spin Tire peut-être la semaine prochaine, enfin je sais pas trop. De toute façon, encore dans 2 semaines après, je serai pas chez moi donc ça va être un peu chaud, mais je suis pas en vacances donc ça va être chaud à la fois. Et puis voilà. Donc comment je vais m'y prendre moi? Je vais faire un truc comme ça. Voilà. Voilà. Donc le toit, comment on va le faire? Ça que le toit, j'ai pas d'idée. En quartz. Je sais pas si ça le ferait. Oh vas-y. Pyrosef, si ça marche pas, on l'enlevera. En dalle de quartz, c'est par là. Voilà. Donc c'est cool que ma Minecraft il a pu avec le problème de frappe. Je sais pas comment ça se fait. J'ai dû bien la régler parce que maintenant il a 50 FPS le Minecraft. En plus là, je tourne bien. Je suis à 50-60 FPS avec les shaders et franchement, ça fait plaisir. Surtout quand d'un seul coup ça fait ça. Donc voilou. Je sais pas si je suis à l'intérieur de la station service. Pire, je le ferai en off. Parce que c'est vrai que l'intérieur d'une station-service, ça regorge plein de petits secrets. Voilà. Oula, c'est pas prévu ça. C'est vrai qu'il manque une petite musique de fond, mais je préfère éviter les copyrights pour cette semaine. Enfin, je pourrais mettre de la musique, voilà, parce que c'est pas prévu en fait. Parce que j'avais beaucoup expliqué aussi également. Et puis voilà. Puis on va faire une petite manip, vous allez pas aimer. Ah ouais, mais je m'en souviens plus des touches. Ah bah, et puis merde, on va le faire, on va terminer ça, et puis on va se quitter là. Car j'essaye. Bah en fait, je sais même pas combien de temps a duré la vidéo. Je pense bien que ça a duré au moins 20 minutes, je crois. Bon, allez, 10 minutes, c'est sûr et certain. Ouais, 10 minutes, c'est sûr. 20 minutes, ouais, je pense. De toute façon, on verra le temps, quand je ferai le rendu, mais je suis sûr que ça va durer ce temps-là. Ah ouais, le bâtard, il m'avait traité de salope. Merci, Battle, ça fait énormément plaisir. Ouais, c'est normal, c'est Battle, hein. Il est toujours comme ça. Un go qui délire, il aura toujours. Donc voilà. Donc aujourd'hui on aura fait quand même une petite station-service. Bon, c'est vrai que ça ressemble pas à grand-chose, mais on peut admirer les choses. On fera bien sûr ça en off avec Battle Halo. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit dans cet épisode, ainsi que les informations que vous, les questions tout simplement vous avez posées aussi également. Je pourrais peut-être faire aussi une FAQ, mais bon, ça on verra en août, hein, quand j'aurai beaucoup le temps, parce que j'aurai beaucoup de temps en août, c'est sûr et certain. Puis on va se quitter sur ce panneau que le. Ah bah non, il a changé. Alors 1,34€ le litre. Putain, ça vaut cher encore. C'est encore cher 1,34€ le litre. Hein. Ça se voit qu'il conduit pas trop lui. Oh là là. Ouais, ça va. Bon, c'est la station-service de Battle Halo. Donc on va se quitter, bon, tout simplement, avec un petit aperçu de la ville. Voilà, un gros aperçu parce que ça a vraiment pas mal changé. J'espère finir au plus vite parce que peut-être en off là on va beaucoup travailler également parce qu'on aura quand même 3-4 jours, voilà. Et puis voilà, en espérant que la vidéo vous aura plu, tu mets un pouce bleu si ça t'a plu.
Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions encore une fois. Oui, j'ai répété je sais pas combien de fois. Ça me fait plaisir que vous êtes si nombreux à suivre cette série parce qu'au début, j'y pensais pas. Et finalement, ça me donne envie complètement de continuer parce que j'y pensais pas, tout simplement. Et tout simplement, moi je vous dis ciao tout le monde et puis c'est les gens. C'était Six et la Gaming pour vous servir. Et Battle Halo, malheureusement, qui nous a quittés quelques minutes avant. Voilà. Et tout simplement, je vous dis ciao tout le monde et puis c'est les gens. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, à plus, les amis. Yeah. Lay on me.